Bonjour les amis, dans ce vlog, je vous avertis, je vais lire du... Le truc, c'est que moi, je suis asexuelle. Et bien que je sois capable d'apprécier une scène 18 ans et plus qui est bien placée, j'ai une endurance assez faible face à la répétition de ces scènes. Mais je ne me suis jamais véritablement plongée dans la littérature coquine pour lui donner une vraie chance. Donc dans ce vlog, je vais mettre au test 4 livres épicés totalement différents pour voir s'il y a au moins une branche ou forme de ce genre littéraire qui peut me plaire. Si c'est le cas, génial! Et si ce n'est pas le cas, bonne chance à moi pour ce vlog! Mais avant de débuter mes lectures, j'ai 3 choses à vous expliquer. La première, c'est la nature de mon asexualité parce que c'est différent pour tout le monde et je vais vous dire comment ça joue sur mes lectures. La deuxième, c'est bien sûr ma pile à lire pour ce vlog. Et la troisième, ce sont les règles que je me suis établies pour le tournage de ce vlog afin que je conserve ma joie de vivre. Alors d'abord, la sexualité, qu'est-ce que c'est? Si vous faites une recherche sur internet, on vous dira que les asexuels sont des personnes qui ne ressentent pas le besoin d'avoir des relations intimes. Ça sonne bien simple comme ça, mais vraiment c'est différent pour chaque asexuel. Donc moi personnellement, je suis capable de ressentir de l'attirance pour quelqu'un. Mais le truc c'est que je ne ressens jamais le besoin d'agir sur cette attirance. Genre tu peux me mettre la personne la plus désirable au monde, la plus belle, elle a aucun vêtement et elle se retrouve dans mon lit, mais moi, je la recouvre et je lui souhaite bonne nuit. Mais dans mes lectures, comme mentionné, c'est pas parce qu'il y a une scène coquine que je vais être en mode... Mais disons que moi, ce qui m'intéresse, c'est la progression qui est établie entre les personnages grâce à la scène. Et quand un couple est déjà bien établi et qu'on fait juste assister à leur divertissement quotidien et répété, moi, je préférerais être ailleurs. Allez-y, ayez tout le plaisir du monde. Mais sans moi. Donc, plongeons dans cette pile à lire épicée. L'idée de ce vlog m'était venue dans ma vidéo de célébration un an sur BookTube et je vous avais demandé de m'envoyer en commentaire des recommandations de livres érotiques. Et donc, si je passe un mauvais moment dans ce vlog, c'est à cause de vous. C'est une blague! Alors, le premier livre. Le premier livre, c'est celui qui me rend le plus excitée, intriguée et effrayée. C'est Ice Planet Barbarians de Ruby Dixon, qui semble étrangement avoir charmé beaucoup de gens autour de moi. Disons que tout ce que j'en sais, c'est que c'est une romance entre une femme et un extraterrestre à la peau bleue et avec des cornes. Et avant que vous le demandiez, parce que moi je me le suis demandé, alors c'est possible qu'il y ait d'autres personnes comme moi. Non, les cornes ne jouent pas un rôle actif dans les relations intimes, Dieu merci. Moi déjà, la queue du prince cardan dans le prince cruel, c'était trop pour moi, alors des cornes, pff. Pour ce qui est du deuxième titre de cette pile à lire, et là vous verrez que je ne parle que très brièvement des résumés des livres parce que je préfère les lire avant de vous expliquer de quoi il s'agit, parce que je sais que je vais dire n'importe quoi sinon. Bref, le deuxième livre, c'est 305 jours de Blanka Lipinska. Il m'a encore une fois été recommandé par plusieurs personnes, mais je vous avoue que c'est le titre pour lequel j'ai le plus d'appréhension parce que son résumé sonne complètement dément de ce que j'ai compris. C'est un homme qui obsède sur une femme, la kidnappe, l'emprisonne pendant 365 jours et il faut qu'elle tombe amoureuse de lui en 365 jours. Bonjour, ça sonne malsain au plus haut point. Mais on verra. Le troisième livre, je pense que c'est la romance érotique la plus traditionnelle de cette vidéo, dans le sens qu'il n'y a pas de concept fou comme un extraterrestre ou un gars qui devrait se ramasser en prison. Il s'agit de Beyond Shame de Kit Rocha, qui se déroule dans un monde qui a été détruit par les tempêtes solaires. C'est une dystopie futuristique, post-apocalyptique. Je sais pas, il y a des bons éléments là-dedans. Je sais pas si je vais dire que j'ai bon espoir de l'apprécier, mais j'ai meilleur espoir que 365 jours. Et le dernier livre, ce n'est pas de la romance érotique, c'est simplement de la littérature érotique, et c'est Emmanuel de Emmanuel Arsan. C'est dit comme un livre qui est écrit sous la forme d'une autobiographie, mais qui l'est ou ne l'est peut-être pas, c'est un peu ambigu dans le résumé, donc je suis très intriguée et je vous en reparle quand je l'ai lu. Et donc ce sont les 4 livres dans lesquels je me plongerai en profondeur cette semaine, et oui, je suis certaine en disant ça que je vais me plonger dans des cavités desquelles j'aurais préféré rester très éloignée. Maintenant parlons des règles de ce vlog. Comment je vais faire pour lire tout ça sans perdre la tête? J'ai trouvé 2 solutions. La première solution, c'est que j'ai le droit de lire des livres extérieurs à ceux de ce vlog entre les livres. Parce que je trouvais ça très injuste si le 4e livre de ce vlog recevrait une impression négative juste parce que je suis totalement fatiguée. Donc j'ai droit de lire autre chose entre temps pour me rincer la palette. La deuxième règle, c'est que pour chaque livre, quand j'en atteindrai les 30%, je devrais venir m'asseoir ici devant vous et répondre à la question, est-ce que je peux
faire ma vie en continuant ce livre? Je pense que 30% c'est un nombre de pages suffisant pour déterminer si la direction d'un livre nous plaît, mais si je suis à 30% et que je vois qu'à l'horizon il n'y a qu'une répétition de scènes épicées et que ça m'intéresse pas, je vais me laisser le droit de l'abandonner. Donc ce vlog, c'est une sorte de Hunger Games où vous pourrez voir tout le long quels livres survivront jusqu'à la fin. Je vous ai donc dit tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, c'est le temps d'aller lire. Bye! Bonjour, c'est l'heure de vous dire si je continue Ice Planet Barbarians après en avoir lu les premiers 30%. Et la réponse est absolument oui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne comprends pas. Je sais pas si c'est le fait que le dernier livre que j'ai lu, c'est littéralement le pire livre que j'ai jamais lu de ma vie. Allez regarder mon dernier vlog si c'est pas déjà fait. Mais ce livre est en train de me faire revivre. Je le lis et je souris. Je suis heureuse, je suis de bonne humeur. C'est un livre qui est peut-être absolument n'importe quoi, mais c'est un livre qui sait qu'il est n'importe quoi et ça ajoute tellement de plaisir à l'expérience. Donc, je vais vous faire un petit résumé parce que personnellement, je n'avais pas lu un mot du résumé avant de commencer le livre et j'ai été surprise. Moi, bon, je savais que c'était une romance avec un extraterrestre. Et donc, moi, ce que j'imaginais, c'est qu'il y avait un extraterrestre qui débarquait sur Terre avec sa bande, tous la peau bleue. Ils sont sympathiques, blablabla. Ils tombent en amour avec une terrienne. Donc voilà, moi, ma vision, elle était très douce. Le début de ce livre, c'est violent, c'est sombre. S'il y a des trigger warnings qui sont censés pour vous, allez les vérifier parce qu'ils sont sûrement dans le premier chapitre. Donc bon, le contexte de ce livre, c'est que notre protagoniste terrienne se fait kidnapper par des extraterrestres. Elle se réveille dans le premier chapitre et elle est dans un vaisseau, dans une cage avec plein d'autres femmes et c'est pas très beau. En fait, c'est pas joli du tout. Je m'attendais pas à ça. Est-ce que je suis fâchée? Non, mais je me trouve très naïve en repensant à la vision que j'avais avant de commencer cette œuvre. Donc pour l'instant, mon avis est très positif. Et c'est surprenant parce que il faut dire que la première scène osée, ou disons que la notion de consentement n'est pas tout à fait là. Mais tu sais, moi je me dis, sur Terre, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop le consentement. Alors ça aurait pas été réaliste qu'un extraterrestre le comprenne du premier coup, hein? Est-ce que je suis en train de trouver des raisons de défendre ce livre? Oui, absolument. Mais ça m'a tellement fait rire. Dans ce vlog, je vais pas vous dire les spoilers. Je ne vais pas vous les dire. Surtout pour ce livre, parce que pour l'instant, je considère que c'est peut-être un livre que je recommande. Mais sachez que je lisais ce matin dans mon lit. Il y avait mon copain qui dormait à côté de moi et je devais me retenir de rire. C'est rare que ça arrive. Ceux qui l'ont lu savent, vous savez. Donc voilà, je vais aller continuer ma lecture parce que pour l'instant, sincèrement, c'est la seule chose que j'ai envie de faire. Je vais sûrement l'avoir fini d'ici la prochaine mise à jour parce que c'est un livre de 140 pages et je suis d'humeur à me le dévorer. Donc pour l'instant, ce vlog se déroule vraiment très mieux que je l'espérais. Reste à voir combien de scènes osées avec un extraterrestre je suis capable d'encaisser. Ah, puis il y a une queue. Ça, les cornes, je savais, la peau bleue, je savais. La queue, je ne voulais pas. J'ai vraiment quelque chose contre les queues. Désolée. Bye! Ça fait une semaine que je traîne les dernières 70 pages de ce livre parce que j'avais vraiment surestimé ma capacité à endurer des scènes entre... C'est même pas le fait que ce soit avec un extraterrestre. Est-ce que ça aide? Non. Mais juste cette quantité de scènes osées, je ne suis pas faite pour ça. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis la semaine entière à lire les 70 dernières pages de Ice Planet Barbarians parce que entre chaque scène osée, il fallait que je fasse un rituel de 24 heures de purification. Mais j'ai réussi. J'ai terminé. Mon avis demeure tout de même positif, ce qui est une belle surprise. Mais disons que j'ai perdu un peu de l'engouement et de la raison de vivre que je ressentais au début. Est-ce que je peux dire que c'était un bon livre au niveau de l'histoire? Non. Mais est-ce que c'est un livre qui sait qu'il est pas génial au niveau de l'histoire? Oui, absolument. Et donc moi, je le pardonne juste comme ça. C'est de cette façon que je fonctionne dans la vie. Si j'ai l'impression que le livre n'a pas été écrit avec l'intention d'être génial, ben je vais pas être fâchée s'il est pas génial parce que c'était pas ça le but. Et le but de ce livre, c'était des scènes à répétition avec un extraterrestre dont l'engin reproductif a un mini engin reproductif à la base. Et donc oui, à ce niveau, c'était réussi. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce qu'au niveau du contenu, il y avait des miettes de science-fiction entre des scènes osées. Les miettes de science-fiction n'étaient pas assez nombreuses pour que j'apprécie l'univers et les scènes osées étaient juste trop osées pour moi personnellement. Mais ça reste quand même que c'est un livre que j'ai traversé avec plaisir et là, je tiens à préciser que c'est le plaisir le plus platonique du monde. Je pense que la série Ice Planet Barbarians
va continuer à exister dans ma vie, même après ce vlog. Parce que j'ai vu le bien que ça m'a fait après ma dernière lecture. Et je pense que je vais me réserver les tomes de cette série en sorte de livre urgence remonte morale nécessaire. Donc voilà, premier livre de ce vlog, première semi-réussite. Ça m'a fait douter mon endurance pour le reste de ce vlog, mais ça montre quand même que je suis capable d'avoir une expérience plus positive que négative avec un livre comme celui-ci. Donc, victoire! Maintenant, pour ma prochaine lecture, j'étais pas certaine de laquelle j'allais piger, mais j'ai Emmanuel de Emmanuel Arsan qui vient d'être libéré à la bibliothèque, donc je vais continuer avec celui-là pour le lire avant que le prêt soit expiré! Je sais pas pourquoi, il y avait une chanson qui était nécessaire pour ce mot, c'était absolument pas le cas. J'arrête de parler. Bye! Je n'en peux plus. J'en peux plus. Je suis sous le ciel et je n'en peux plus. Donc hier soir, j'ai décidé d'abandonner Emmanuel. J'en avais lu 62% quand même, mais sérieusement, si je lisais une fois de plus le mot fente ou muqueuse, j'allais péter un câble. J'en peux plus, j'en peux plus. Et moi qui croyais que Ice Planet Barbarians, ça avait été trop pour moi. Mais non, non, non. Non, non. Emmanuel, là, elle aime ça 15 fois par jour. Bon. Là, il faudrait que je vous résume ce livre. Je sais pas comment. Mon Dieu. J'ai pas trop compris si c'était bel et bien une autobiographie de l'autrice ou non. Je pense que non. Et j'espère surtout que non, parce qu'il y a des choses... J'espère vraiment qu'elle a pas réellement fait ça dans sa vie. Mais ce que j'ai appris, c'est que Emmanuel Arsan, c'est un nom de plume pour une femme thaïlandaise. Donc j'espère, avec cette information, que ça veut dire que ce n'est pas sa vie à elle. Dans ce livre, on suivait Emmanuel à l'âge de 18 ans, qui fait toutes sortes d'aventures dans sa vie. Ça commence sur la devant des enfants. Là déjà, j'ai terminé ce chapitre et j'étais essoufflée. Je venais de me taper une scène de genre 15 pages sur l'avion. Mais franchement, je m'ennuie de cette époque où je n'avais lu que la scène sur l'avion. Parce que quand je dis qu'Emmanuel, elle aime ça 15 fois par jour, ce n'est pas une exagération, c'est elle qui le dit et le livre le démontre très bien. Et parmi ces 15 fois par jour, il y en a parfois avec une banane pelée. Une banane, c'est une chose. Ok, mais pelé, pelé! Et ouais, après toutes ces informations, on enchaîne dans le développement de la relation particulière entre Emmanuel et une petite fille de 13 ans. Et là, je dis le mot petite fille parce que c'est comme ça qu'elle se fait référer pendant tout le long. Et bien qu'elle n'ait pas tout à fait, je crois, de contact ensemble, elles font des choses ensemble. Emmanuel a des très 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 fortes fantaisies face à elle. Et c'est un livre qui a été écrit, je pense, en 1950. Je vais vous mettre l'année exacte. Donc c'est une autre époque. Et franchement, si j'abandonne ce livre, ce n'est pas à cause des scènes avec des personnages mineurs. Je veux dire, c'est pas ça qui m'encourage à continuer. Mais si c'était pas juste des pages et des pages de fente muqueuse, peut-être que j'essaierais de continuer. Parce que le truc, c'est que je vous avais dit au début de la vidéo que c'était à partir des 30% que j'allais déterminer si je perdais ma vie ou non avec un livre. Et là, j'en ai lu 62%. J'étais prête à abandonner à 30%. Mais j'ai continué parce que la personne qui m'a fait découvrir ce livre m'avait informé que dans la deuxième moitié, ça devenait un peu plus philosophique et il y avait des conversations très intéressantes sur les couples ouverts. C'est pas quelque chose que j'ai lu souvent dans ma vie et c'est pas quelque chose qui m'intéresse à lire. Mais bon, ça aurait pu être intéressant, mais je peux juste pas survivre jusqu'à là. Et en plus, avant de faire ma décision finale, j'ai lu des critiques sur Goodreads et il y avait plein de gens qui disaient que la deuxième partie philosophique, elle n'était pas aussi experte que la première, dans le sens que l'autrice était vraiment meilleure pour écrire des scènes osées que philosophiques. Et oui, elle est très bonne. Bonne pour me faire souffrir! Bon, le positif, je trouve que la plume était belle. C'était bien écrit. Ça fait un gros contraste avec Ice Planet Barbarians qui avait un style très contemporain fanfiction. Tandis que là, c'est vraiment comme un texte de littérature qui est... Les mots sont bien pesés et pensés, c'est poétique, ça se lit bien. Mais c'est pas important, un livre qui se lit bien quand la chose que tu lis qui est décrite, c'est juste ça. Donc, j'ai abandonné. J'ai abandonné, je pense que c'était la meilleure décision à faire pour ma santé mentale. Mais parlant de meilleure décision à faire, je vais vous dire celle que je n'aurais pas dû faire, et c'est de lire Le consentement de Vanessa Springora pour me changer les idées entre les livres de ce vlog. Je sais pas qu'est-ce que je pensais. C'est un livre incroyable. Je vais vous en parler à la fin du mois dans mon update lecture. C'est un livre incroyable, oh, je l'adore, mais non! Pourquoi j'ai choisi de lire ça? C'est tellement pas ce que je devrais lire en ce moment. Donc voilà. Emmanuel, bye. Le prochain livre, j'avais planifié de lire 365 jours après celui-ci parce que je pensais que celui-ci allait être la plus grande réussite de ce vlog. Là, je sais pas. Vous allez voir dans le prochain clip qu'est-ce que j'ai décidé parce que présentement, je ne sais pas. Présentement, ce n'est pas un vlog lecture, c'est un vlog torture. Et c'est qui mon bourreau? C'est moi-même! J'ai terminé 365 jours. Je répète, j'ai terminé 365 jours. Et là, j'ai l'impression
que mon cerveau a fondu. Là, je suis pas en train de dire que de la littérature érotique, ça fait fondre le cerveau des jeunes. Non. Je dis juste que ça fait fondre mon cerveau. Je ne suis pas faite pour ça. Ok, premièrement, pourquoi j'ai terminé ce livre? Les amis, je sais pas. Il y a tellement eu de stades où j'étais comme, ok, je suis prête à passer à autre chose, bye bye. En même temps, j'étais incapable de ne pas assister à la destination finale de ce train. Je voulais voir où est-ce que ça allait s'arrêter. Là maintenant, je l'ai fait. Est-ce que c'était nécessaire de se rendre jusqu'à la fin? Non, absolument pas, mais je l'ai fait. Donc le principe de 365 jours, c'est qu'on a un mafioso qui un jour a une vision d'une femme, la femme idéale de ses rêves. Il en devient obsédé, il engage des personnes pour peindre cette femme imaginaire et en mettre partout dans sa maison. Et un jour, sur la rue, il croit à cette femme. Ce qu'il décide de faire, c'est de la kidnapper pendant 365 jours pour qu'elle tombe amoureuse de lui, comme toute personne normale le ferait. Elle n'est pas tout à fait kidnappée dans le sens traditionnel parce qu'elle peut se déplacer, mais le truc c'est que notre cher Massimo, le mafioso, a menacé de tuer sa famille si jamais elle se sauvait. Donc ouais, elle est libre de se déplacer, mais je veux dire, si elle se déplace trop loin, ben pow. C'est donc une charmante histoire d'amour qui commence. Ok, il y a une part de moi qui comprend la fantaisie qui est vendue par ce livre. Un homme riche, beau et puissant, qui est obsédé par toi, qui veut te garder à lui seul et qui est prêt à te donner le monde entier juste pour te garder. Hey, j'espère que tu fais pas trop de bruit, toi. Mais d'un autre côté, et c'est le côté principal dans lequel je me trouve, je suis effroyablement inconfortable à l'idée que des gens lisent ce livre et se disent potentiellement « Ah, tiens, il y a cette personne en qui je suis intéressée. Je vais aller la kidnapper pour la forcer à tomber amoureuse de moi. » Et un niveau au-dessus, je suis très inconfortable à l'idée de penser qu'il y a peut-être des victimes de kidnapping ou de choses terribles qui se passent dans ce livre-là, qui le lisent et voient une version de leur traumatisme qui est complètement romantisée. Moi, je m'y connais pas en dark romance du tout, je n'ai lu aucun livre de dark romance. Je me doute bien que celui-là, il va peut-être au-delà des limites du raisonnable que la dark romance peut explorer. Mais bon, j'étais vraiment prête à mettre tout cet aspect illégal de côté, tant que la relation principale est intéressante. Mais non, il y a littéralement aucun sentiment. La seule raison pour laquelle cette femme tombe supposément en amour avec l'homme qui l'a kidnappé, c'est parce qu'il est beau et elle veut toujours coucher avec lui. Tout ce qui est décrit dans ce livre est uniquement physique et on doit supposément croire que c'est de l'amour. Je l'ai pas ressenti. Maintenant, on va passer. Je vais vous lire quelques passages de ce livre qui m'ont fait bien rire. Premièrement, il y a une scène où la fille est assez chauffée parce que son kidnappeur se donne du plaisir devant elle. Elle a toutes sortes de fantaisies dans sa tête jusqu'à ce que son cerveau reptilien lui rappelle que l'homme qui se masturbait devant elle était le même que celui qui voulait tuer sa famille. C'est tout ce que j'ai à dire. Dans la même famille de passage, il y a aussi celui où elle dit que la seule chose qui la dérange véritablement de sa situation actuelle, c'est le fait que Massimo ait menacé de tuer sa famille. Mais elle se l'excuse ensuite en disant que s'il n'avait pas menacé de tuer sa famille, elle se serait enfuie et donc il n'aurait pas pu apprendre à la connaître. Je sais pas vous, mais moi mon copain, j'ai pas eu à le kidnapper pour apprendre à le connaître. Ensuite, celui qui m'a fait le plus rire. Laura, qui est le nom de la femme principale, se fait avertir par une autre femme qui est dans la mafia comme quoi elle s'est déjà fait kidnapper dans le passé à cause de sa connexion à un mafioso. Et donc c'est pour ça que Massimo la surveille de si près et est si protecteur. On a droit ensuite à ce petit paragraphe. Oh, est-ce que quelqu'un voudrait vraiment me kidnapper? Pourquoi? Mais quelqu'un avait kidnappé la femme devant moi, ça pourrait m'arriver aussi. De quoi tu parles, fille? T'es littéralement kidnappée en ce moment. De quoi? Est-ce que quelqu'un voudrait me kidnapper? T'es kidnappée là. Si tu te faisais kidnapper là, ce serait un double kidnapping. Donc de quoi ça pourrait m'arriver aussi si t'es en train de t'arriver littéralement là? C'est pour finir. Tout le long du livre, Massimo est extrêmement contrôlant. Il suit chacun de ses mouvements, il contrôle un petit peu ce qu'elle porte, il tue ses ex-copains bien sûr. Et donc là, vers la fin du livre, on a un passage où Laura dit que son comportement autoritaire est le résultat de son enfance et des apparences qu'il a dû conserver toute sa vie dans la mafia. Ça n'a rien à voir avec lui qui veut faire d'elle sa possession. Ouais, le syndrome de Stockholm a vraiment bien fonctionné. De quoi il veut pas faire de toi sa possession? T'es littéralement sa possession. Mais le pire dans tout ça, c'est que la fille, elle sort une explication pour lui pardonner tout ce qu'il fait, mais on a jamais eu une seule conversation où Massimo s'ouvrait sur son enfance, sur ses sentiments ou quoi que ce soit. Toutes les choses que Massimo ouvrait dans ce livre, c'était les fesses ou les jambes de la fille. Et la bouche. J'ai oublié la bouche. Donc,
vraiment, honnêtement, si ce livre était écrit pour moi, je lui donnerais une étoile à tous les niveaux. C'est juste pas quelque chose qui fonctionne avec moi. Mais j'avais décidé que pour ce vlog, je n'allais pas vraiment donner de notes pour les livres parce que, comme je viens de dire, ils sont juste pas écrits pour moi. Je suis pas la personne pour juger en tant que morceau érotique c'est quoi sa valeur. Et ça, de toute façon, c'est subjectif. Et donc, subjectivement, moi, je vous dis que ce livre m'a fait perdre ma vie. Mais je l'ai terminé. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il ne reste plus qu'un seul livre dans ce vlog. Après ça, je peux revenir à des lectures où il n'y a pas des fluides corporels qui sont échangés à toutes les pages. C'est donc tout. On se revoit pour mon avis sur Beyond Shame. Bon, voici où j'en suis. J'ai terminé de lire Beyond Shame. Je n'ai pas terminé Beyond Shame, mais j'ai terminé de le lire. Je m'arrête là. J'en ai atteint les 30% et c'est juste très clair que la direction de ce livre n'est pas pour moi. Franchement, pour l'instant, je vois aucun problème dans son récit, son écriture, son contenu, blablabla. Il n'y a pas de défaut. C'est juste que la raison d'être principale de l'histoire, sans moi. Donc au début du vlog, je vous ai introduit ce livre en vous disant que c'était un roman dystopique post-apocalyptique dans un monde détruit par les tempêtes solaires. Ça, c'est quelque chose qui est très vendeur pour moi, mais j'ai lu 30% et si je n'avais pas lu ces mots dans le résumé, j'aurais jamais su que c'était ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est produit dans les 30 premiers %, c'est qu'on découvre que notre protagoniste vit dans un monde, une société où la sexualité n'est pas bien vue. Je sais pas les règles exactement, là. Je vais vous avouer que mon cerveau ne fonctionnait plus quand j'ai déjà commencé ce livre. Bref, elle part d'un endroit où elle ne peut pas explorer sa sexualité librement à un village, une ville, un autre endroit où, oh non non non, là ça se laisse aller les gens là. Ça se laisse même plus qu'aller, ça se laisse beaucoup aller. Et bref, de ce que je comprends, le but de ce livre, c'est de découvrir notre personnage principal qui découvre la sexualité avec ces gens qui ont beaucoup d'expérience et qui aiment faire ça partout, avec beaucoup de gens. Pourquoi pas? Donc, c'est la fin de ce vlog. C'est la fin! Je sais pas si le résultat de cette expérience était très concluant parce que, bon, avec juste les 4 livres de ce vlog, c'est excessivement clair pour moi que la littérature érotique et moi, ça fait 2. Et là, si j'étais physiquement capable d'écarter les doigts encore plus, là, les deux, ils seraient comme ça. Mais le truc, c'est que en même temps, je me dis, j'ai peut-être pas choisi les bons livres. Je pensais que j'avais choisi 4 œuvres qui allaient explorer des recoins totalement différents. Mais au final, j'ai l'impression que j'ai juste lu 4 livres où il y avait des gens qui couchaient ensemble. Mais en même temps, c'est le cœur de ce genre littéraire. Et c'est exactement ce que mon cœur ne veut pas. Donc voilà, peut-être que la conclusion peut être aussi simple que ça. La littérature érotique et moi, on va... Ça, c'était des chemins qui se séparent, là. L'avantage de ce vlog, malgré tout, c'est que là, j'ai pu lire des livres où il n'y avait pas juste des gens nus à chaque page. Et même si ces livres n'étaient pas très impressionnants pour ce qu'ils essayaient de faire, dans le sens que dans le passé, je les aurais considérés comme des grosses déceptions, blablabla, mais ils ont été des plaisirs à traverser quand même. Genre, je lis des livres qui sont des déceptions, mais j'ai du plaisir à les lire parce qu'il n'y a pas des fentes muqueuses à chaque page. C'est merveilleux. Donc, je pense que je ressors de ce vlog en aimant la lecture encore plus que je le faisais. Je savais pas que c'était possible, mais me voici. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. J'espère que vous a diverti et peut-être inspiré à découvrir des œuvres érotiques si c'est quelque chose qui vous interpelle. Parce que je tiens à répéter qu'il y a absolument rien de mauvais avec ce genre littéraire. Je vais pas juger les gens qui l'apprécient, c'est juste que c'est physiquement pas fait pour moi. En fait, je pense que j'admire les gens qui sont capables de se taper ça plus qu'une fois par 4 mois. Donc voilà. Merci beaucoup beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste les vendredis à 10h30 pour le Québec et 16h30 pour la France. Bye bye! Ta queue, c'est pas le moment.